Donc l'objet pour notre lycée est de proposer aux jeunes un outil qui correspond à un atelier type lait en Bretagne. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur le bien-être au travail de l'éleveur et également surtout l'aspect pédagogique que nous propose l'outil. On a choisi la solution de Laval parce qu'on voulait une solution complète, robotiser la traite plus automatiser l'alimentation. Donc ça, c'était une des raisons. L'autre raison aussi, c'était de trouver une solution évolutive. Et puis l'élément surtout qui nous a fait choisir donc, dans notre projet de Pomerit, c'est le Air Navigator en complément du VMS. Le Air Navigator, c'est un outil qui nous intéresse très fortement pour la performance économique de notre exploitation laitière. On va aller chercher à maximiser notre marge brute à la tonne de lait, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, il ne faut pas l'oublier que pour la pédagogie, le Air Navigator nous permet d'avoir quand même tout un ensemble de données techniques pour travailler nos étudiants et donc encore mieux faire passer donc, tous les éléments de pilotage, exploitation et management. Alors, ce qu'on observe maintenant, puisque donc, les vaches sont rentrées dans l'étable au mois de décembre, les différents équipements donc, de Laval sont montés ou mis en route étape par étape. Aujourd'hui, donc, la dernière étape, c'était le 10 avril avec la mise en route de l'Optimat Master. Depuis, ce que mes collègues et moi-même avons observé en termes de travail dans cette étable, c'est surtout cette nouvelle organisation du travail, plus de souplesse. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Et puis aussi, un élément qui compte quand on travaille avec que des salariés, c'est le côté vivabilité, c'est-à-dire que par là, dans le projet, ont été retirées les tâches moins valorisantes ou peu gratifiantes, on pourrait dire. Et donc du coup, il y a ce côté qualité du travail qui permet justement de libérer ce temps pour aller aux animaux. On connaît beaucoup plus nos vaches aujourd'hui qu'on ne connaissait il y a quelques mois de cela. On connaît beaucoup plus de performances sur elles. Donc ça nous permet de suivre encore mieux nos troupeaux et consacrer vraiment du temps pour aller autour des vaches. Et elle l'apprécie parce que la preuve en est, on peut se promener autour de nos vaches sans qu'elles soient dérangées. Notre tâche, c'est faire dépasser aux élèves l'aspect simplement comme ça séduisant et ludique pour aller vraiment au fond de la maîtrise de tout ce que peut apporter à l'éleveur cet équipement-là. Et si on s'est doté de ces outils technologiques-là avancés et complétés avec toutes les options, y compris donc l'option Air Navigator, ce qui nous a conduit au choix de Laval, parce que il nous a semblé que, comparativement avec les autres prestataires, de Laval proposait à travers l'option Air Navigator une étape complémentaire sur les leviers d'optimisation de la production laitière, à travers cette collecte de données qui nous permet d'aller encore un petit peu plus loin sur la maîtrise en matière sanitaire, en matière d'alimentation, en matière de conduite repro, et en particulier les éléments d'anticipation que ces données-là fournissent à l'éleveur. Donc c'est en fait, au regard de cette avance-là sur l'option Navigator, que le choix et l'arbitrage final s'est fait en faveur de Laval.